bonjour, le Kinball en démonstration à Ancenis. Le Nantes Atlantic Kinball Club est venu disputer une journée de championnat à la salle du Bois Jauni pour présenter cette discipline qui se développe en France depuis 3 ans maintenant. Elle est même de plus en plus présente dans les écoles. On était une bande de potes, 5 personnes. Et en mars 2010, en février 2010, on a fait une initiation de Kinball à Angers. Et le club d'Angers en fait, nous a aidé à monter le club à Nantes. Et donc on l'a créé officiellement donc, le 7 mars 2010. Ça va se développer. Après, il y a quand même un stade obligé. Ça va être la reconnaissance du sport par le ministère du Sport et des Jeunesses. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un sport qui est reconnu. Et on a un problème de développement du sport, surtout pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, le kinball est pratiqué dans les écoles primaires, mais il est pratiqué par des gens qui n'ont pas eu de formation pour le kinball, et nous, on n'a pas le droit aujourd'hui de leur donner cette formation. Donc à partir du moment où on arrivera à passer cette étape pour leur faire faire des formations, au moins on pourra avoir des graines de joueurs qui vont pouvoir germer au niveau du primaire, parce que nous, aujourd'hui, en tant que club, on ne peut accueillir des joueurs qu'à partir de l'âge de 16 ans. C'est le seul sport au monde où on joue à 3 équipes. Donc 3 équipes, 4 personnes dans chaque équipe, les bleus, les gris et les noirs. Le but, en fait, c'est en phase d'attaque, on va avoir une équipe qui va tenir le ballon. Donc 3 personnes soutiennent le ballon. Le 4e va frapper dans le ballon en appelant une couleur adverse. Cette couleur adverse devra récupérer le ballon par tout moyen. Donc par tout moyen, c'est-à-dire qu'on est amené à faire des glissades au sol. Et à partir du moment où le ballon a été récupéré, de nouveau, on passe en phase d'attaque où 3 qui soutiennent le ballon et le 4e qui frappe dedans. Pour déterminer les couleurs. Pour savoir. Parce que pour les gris... Les gris, les bleus et les noirs. Au début de chaque période. Ouais. Voyez l'arbitre de lance pour savoir qui commence la période. Alors le ballon pèse environ 800 grammes. Il mesure 1,22 m de diamètre. Donc c'est un ballon qui est très léger. Par contre, il faut savoir c'est qu'il a une inertie assez importante. Et quand quelqu'un frappe dans le ballon, on a des frappes qui peuvent tourner autour de 60 km/h. Alors plus chez les garçons que chez les femmes, mais les femmes aussi arrivent quand même à avoir des belles performances. Et donc du coup, il faut faire attention, parce que quand on se le prend en plein milieu du nez, ça peut faire mal, quoi. Quand même un minimum d'aptitude physique, hein. C'est sûr que si on n'a pas fait de sport depuis 10 ans, c'est un peu compliqué. Parce que c'est un sport en fait où on a beaucoup de courses rapides, donc il faut être assez vif, on va dire. Malgré tout, c'est un sport qui est très abordable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris comment gérer l'équilibre du ballon, très vite, on a une marge de progression qui est très forte. Et aujourd'hui, des gens qui ont 1 an de kinball maîtrisent quasiment toutes les bases. C'est un sport qui est très fair-play, très coopératif également, parce que les 4 joueurs sur le terrain doivent jouer ensemble. Personne ne peut être laissé de côté. C'est vraiment une équipe soudée et coopérative. Et derrière, donc énormément de fair-play. C'est-à-dire que même par rapport dans les relations vis-à-vis de l'arbitrage, les sautes d'humeur ne sont pas acceptées. C'est tout de suite sanctionné par des cartons jaunes ou rouges. C'est ce qu'on appelle les fautes d'esprit sportif. Et on est très vigilant à ça. Et c'est ce qui permet d'avoir une ambiance sereine. C'est pas un sport où on va entendre le public crier ou donner son désaccord. Parce que si le public donne son désaccord et que son désaccord est audible, on arrête le match. On rééduque les spectateurs et on leur dit non, maintenant plus de réaction. Sinon, l'équipe que vous soutenez sera sanctionnée. Et si vous souhaitez vous renseigner sur le club de Kinball Nantais, rendez-vous sur internet www.kinball-nakc.com.